Bonjour à tous ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors là, je voulais faire une vidéo sur les personnes qui vont perdre leur emploi là, incessamment sous peu, soit à la fin du mois, soit au mois de septembre. Donc je voulais savoir justement, est-ce que ces gens-là vont être, est-ce que ça, ils vont, comment dire, est-ce qu'ils vont trouver réparation entre guillemets, est-ce que ils vont être reconnus plus tard. Donc je vais vous poser la question, est-ce que ces gens-là qui vont perdre leur travail à cause du fait qu'ils ne sont pas dans les règles de ce que l'exécutif veut absolument imposer? Donc je voulais savoir, est-ce que quand cela peut-être sera passé, est-ce qu'il y aura réparation? Est-ce qu'il y aura une réparation d'une manière soit financière ou d'une manière de retrouver un travail plus facilement. Alors voilà, je ne sais pas si ma question est claire. En tout cas, je crois que j'ai essayé de la préciser le mieux possible. Donc, je voulais penser à toutes ces personnes qui sont dans le soin, directement ou indirectement, dans les services de santé, ou les gens qui tout simplement travaillent au contact avec le public. Voilà, donc je voulais savoir un petit peu le contexte. Est-ce que ces gens-là, malgré qu'ils vont perdre leur travail, est-ce que ils vont être reconnus plus tard? Parce que c'est très très grave, je trouve. Reconnus pour une réparation ou un arrangement ou quelque chose, en fait, quelque chose en plus, un bénéfice pour ces gens qui ont perdu leur travail. Pour seulement le fait qu'ils ne sont pas en conformité, entre guillemets, hein, une conformité obligée de la part de l'exécutif. Alors, tous ces gens qui vont perdre leur travail à cause. Parce qu'ils ne sont pas en règle avec au niveau de la santé. Est-ce que ces gens-là vont avoir obtenu réparation? Voilà, donc ça représente ces personnes-là, hein. Ces personnes qui sont dans une mauvaise posture parce qu'ils ne veulent pas de cette pomme pourrie face à ceux qui organisent tout cela. Hein, cette carte qui ressort, hein, qui représente les personnes, ce groupement de personnes, en fait, cette organisation qui impose cela. Donc là, on voit bien avec la carte du papyrus, du commerce, en fait, cette carte qui représente le commerce, ce métier de contact, qui est à l'envers. Donc, comme ce qui ressort ici, voilà, ils perdent leur travail. Et là, c'est la carte du pardon. Donc, c'est comme si ces personnes-là, elles attendaient vraiment quelque chose, un geste de la part des autorités, pour qu'on les reconnaisse comme qu'on reconnaisse cela comme une injustice. Voilà. Donc là, ce qui ressort, c'est vraiment une erreur fatale. Le fait de ne pas avoir mangé, croqué cette pomme, c'est une erreur fatale. Donc, dans l'avenir, est-ce que, voilà, là, on voit ici dans l'avenir, on nous dit ici que certainement qu'il y aura quelque chose, mais ça va être pas tout de suite, hein, parce que là, on a la carte de Delta en plus à l'envers. Le Delta, c'est vraiment la vie, la vision à long terme, hein. Donc, et comme elle est à l'envers, c'est vraiment pas tout de suite. Donc oui, il y aura quelque chose, mais on va dire peut-être dans un an ou deux, mais pas avant, hein. Donc, il y aura certainement des dédommagements pour certaines personnes, hein. Une élévation dans certains autres
dans certains domaines de métier, je pense même qu'il y aura des gens qui seront promus à quelque chose de plus haut. Par contre, il y a des personnes qui seront dégoûtées, qui voudront plus retravailler là où ils ont travaillé. Pour l'instant, en fait, on n'en est pas là, mais effectivement, il risque d'y avoir des dédommagements. Mais ce n'est pas pour maintenant. Hein. Ben oui, forcément, on n'en est pas là encore. Hein. Mais là, je pense qu'il y aura réparation. Mais il faudra attendre au moins 1 an. Au moins 1 an. Voilà la réponse. Et enfin, je vais poser la question. Je vais voir donc par rapport à tout cela. Je voulais savoir si certains médecins qui sont affiliés à toute cette organisation, est-ce qu'il y aura des arrestations? Est-ce qu'on va neutraliser ces gens-là? Alors, on va faire. J'y crois pas trop, mais on va faire fin d'année, là. Avant la fin d'année. Est-ce qu'il y aura une neutralisation de ces personnes? Et ça fait beaucoup de gens, hein? Ça fait beaucoup de personnes. Ah, il y a 2 cartes. Alors là, on a. Un besoin de réussite, hein, mais pas encore. J'ai l'impression que c'est pas pour maintenant. Face au mutisme ici, hein, le fait qu'on ne dise rien et que là il y a une perte, ça correspond à la perte en fait de tous ces gens qui font la perte de la France en fait. Oui, je pense qu'il y a quelque chose, ils seront pas oubliés, mais c'est pas pour maintenant. Oui. Donc là, on me dit pas tout de suite. On va voir. Je vais tirer d'autres cartes. On va voir en 2022 maintenant. Voir si est-ce qu'on va retrouver. Est-ce que justice sera faite par rapport à toutes ces personnes? Hein? Est-ce que justice sera faite par rapport à toutes ces personnes qui sont affiliées à cette organisation de la santé, qui est mondiale, hein, mais bon, nous, ça en ce qui concerne la France, est-ce qu'il va y avoir une réparation de justice, des arrestations par exemple, hein, mais une justice en tout cas, en 2022. Bon, il va y avoir tout à fait, des démarches ici. Il y aura des démarches, hein. Des démarches en 2022. Oui. Ça va susciter beaucoup d'émoi, hein. Ça va faire beaucoup bouger du monde ici, hein. Oui. Par contre, ici. Nous, on me parle de prison ici, de prison, et là, illusion. Alors là, j'ai un bémol ici. J'ai l'impression que oui, il va y avoir de la justice, etc., qui va s'en mêler, mais j'ai la carte de l'isolement retourné et l'illusion. Donc, on me dit ici qu'il ne faudra pas s'attendre non plus à des peines très, très lourdes. Mais il y aura une issue. On va voir si c'est favorable ou pas. Oh là là, il y a encore cette organisation mondiale là, qui ressort.
avec le pardon. Donc il y a pas mal de personnes qui vont faire le mea culpa. Il y a pas mal de personnes qui vont faire un mea culpa. Mais bon, ils vont payer. Mais ils vont payer en quelque sorte. Hein, mais ça va. Ça nous parle pas de peine de prison ici. Ou alors est-ce que les gens vont vraiment. Voilà. Ça va concerner tout ce qui est aussi la pomme pourrie, là. Hein. Ça sera la fin d'un cycle. Ouais. Donc en 2022, ce que nous dit le jeu là, en 2022, il y aura des démarches et, au niveau de la justice par rapport à ces personnes. Je pense, oui, qui vont se retrouver devant la justice. Hein, et ça va amener beaucoup d'énergie et d'émoi face à toutes ces personnes là. C'est. Il y a des gens qui vont travailler pour ça. Hein. En fait, ces gens-là, ils vont être très vite, mis de côté parce qu'on va s'intéresser à l'organisation qu'il y a au-dessus. Il y a quand même une notion de pardon, de trêve. De trêve, mais éternelle, une trêve définitive de tout ça. Face à cette pomme pourrie, là. Pour que ça se termine et que ça soit la fin d'un cycle. La fin de quelque chose hein, définitif. Voilà ce que nous disent les cartes. Et bien voilà, je vous laisse. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager. Et moi, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.